Hello, it's me. I'm a boss ass bitch, 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 I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés. Aujourd'hui je suis là pour un haul de fou. Là j'ai fait un truc de ouf. Sincèrement j'ai un petit peu craqué. J'ai acheté 400 euros de vêtements sur Shein. Ce n'est pas un partenariat, ça ne m'a pas été offert et j'ai tout acheté. Je vais vous faire le haul slash unboxing slash essayage slash try on, ça va être tout en même temps. Et on va voir ce que ça donne. J'ai déjà fait une vidéo sur Shein et en fait j'avais pris beaucoup de vêtements mais je savais pas trop comment ça marchait. En fait moi j'avais l'habitude de fonctionner avec les tailles, je fais ouais moi je fais du M donc je prends du M. Mais j'ai voulu réessayer parce qu'il y a plein de gens en commentaire qui m'ont dit que eux, quand ils fonctionnaient avec les mensurations, c'est-à-dire qu'ils mesuraient leur corps avec le mètre, ça marchait. Donc du coup j'ai pris mon mètre, j'ai mesuré mon gros ventre, j'ai mesuré mes cuisses, j'ai mesuré tout partout tout mon corps. Et j'ai sélectionné les vêtements avec ces mensurations là. Donc c'est que du XL, ça fait mal au cœur, mais c'est que du XL. Et j'espère que ça va m'aller quoi, je ne l'ai pas encore ouvert hein, comme vous pouvez voir, il est fermé. J'ai acheté 20 vêtements. Genre il y en a 20 dedans, donc 400 euros, c'est l'équivalent de 20 vêtements. Il y a des pantalons, il y a des hauts, il y a un petit peu de tout. Sincèrement je me rappelle plus vraiment ce que j'ai pris parce que ça a pris je crois 2 semaines pour arriver. Donc je me rappelle plus exactement de tout ce que j'ai pris, mais je pense que ça va être du lourd. On va essayer tout ça et on va voir ce que ça donne. Du coup, voilà ce que donne le t-shirt. Donc vous avez le petit choker là. Et il est très grand, genre il est pas serré. Mais ça se porte comme ça en fait, c'est parce que c'est un t-shirt qui est oversize. Sincèrement c'est de la bonne qualité hein. Enfin moi sincèrement je savais déjà que Shein c'est de la bonne qualité. Ça cache le derrière. J'aime bien, genre il y a pas grand chose à dire sur celui-là en fait. C'est vraiment les t-shirts basiques. Je suis pas convaincue par le... Je vois pas ce qui a voulu être fait. Le prochain que je vais essayer, c'est celui-là. Il est trop beau. Genre, je l'ai vu sur les sites, je me suis dit que je portais pas assez de couleurs en fait. Il y a une sorte de lacet qui est noué. Il est trop stylé. Non mais en fait, j'ai choisi que des bonnes tailles. Je suis contente. Et vous avez même le détail en bas là. Yes. Ouh. Comme ça, même avec un slim et tout, ça fait bien, ça fait trop bien. Là, il y a un jogging avec les genoux déchirés. J'ai acheté ça, moi. Et il y a les bandes sur les côtés et ça dépasse. Genre, toutou, hey, hey. Et la matière est bien, genre. On essaye les autres trucs maintenant. C'est trop beau. Il est beau, le haut. Yes. Je peux même voler on dirait. Et en fait il est chaud mais il tient pas chaud. Genre il gratte pas, je sais pas comment expliquer. Vous savez des fois il y a des pulls en laine de façon, ils grattent. Genre vous les mettez là par exemple, j'ai mis juste un sweatshirt en dessous et ça me gratte pas. Genre il y en a certains je suis obligée de les mettre avec un t-shirt ou quoi, mais celui-là il gratte pas. Au top, au top, au top, au top. Et genre en fait le petit gilet, il y a les petits froufrous, tu vois. Oh, trop stylé. Oh yes. Et ça va jusqu'aux manches en fait, c'est pas comme si ça s'arrête light. Oh putain, je suis quête. Oh, je suis trop contente de ce que j'ai acheté. Yes. Et ça va, tout va ensemble. Tout va ensemble, vous voyez là. Là j'ai un petit flow. Mais sérieusement, le gilet il est trop beau. Et ça je l'ai jamais vu nulle part. Genre je l'ai pas vu chez d'autres marques ou quoi. Non mais là, dites-moi qu'il est pas au top mon haut s'il vous plaît. Qui peut me dire que mon haut il est pas au top? Oh yes. I'm so happy! Et c'est pas trop bien quoi. En fait, tu dépenses ton argent, mais tu le dépenses bien. Et donc, t'es heureux quoi. En fait, j'ai acheté beaucoup de hauts. Parce que je suis une personne qui a beaucoup de bas, mais pas beaucoup de hauts. Donc, en fait, je me retrouve toujours à porter les mêmes pulls et tout. Et c'est chiant. En fait, j'aime bien parce qu'en bas, vous voyez, il y a un petit peu. Il y a des détails un peu. Tu vois, découpés en triangle. Tu vois, triangle isocèle, équilatéral. Putain, j'ai dit vraiment n'importe quoi. C'est ça quand je suis contente en fait. Mais j'aime trop. Et tous les habits que j'ai achetés, ils vont ensemble. Genre, vous avez pas remarqué? Depuis là, je sais pas changer de bas, mais ça le fait. Ce pantalon, vous voyez, avec des carreaux un peu. Quand j'ai envie de m'habiller classe, tu vois. Je regarde pas. Bon, celui-là, j'aime bien. Après, il est un petit serré au niveau des cuisses et des fesses. Genre, même très serré.
Genre j'ai les fesses... Je sais pas si vous avez des pantalons comme ça, genre les fesses elles sont serrées quoi. Ah genre ouh. Et on dirait que je vais au bureau là. On dirait là je suis la directrice de l'entreprise Isotech. J'ai 400 employés. Mais il est un peu serré quand même genre. Ça pour un XL, si t'es plus en chair que moi, c'est chaud hein. Par contre il y a un truc que je me disais. C'est que là, ce que j'ai pris, c'est surtout du XL. Je suis pas non plus dans les morphologies les plus épaisses du monde. Donc je me dis que si moi je fais XL, les filles qui sont plus en chair que moi, comment vous faire pour trouver leur taille là-bas? Shizin, il faut penser aux big girls. Big girls matter. Et là, si vous savez pas, vous voyez pas, mais là, j'ai pas de pantalon. Je suis toute nue en bas. Vous avez une salopette. Je sais pas pourquoi j'ai pris... Eh, il y a des trucs, je vous jure, je les ai pris. Je sais pas pourquoi je les ai pris, j'en ai pas, ils vont dire un drap. Et du coup, c'est ample, quoi, y'a. On peut mettre 20 comme moi dedans. Mais j'aime bien. Y'a les poches, des grandes poches pour mettre le téléphone et tout. Et ça arrive, je sais pas si vous voyez un petit peu. Ça arrive pas jusqu'au bout des pieds. Pour l'hiver, je sais pas, avec des chaussettes, ça peut être pas mal. Avec des chaussettes et des petites derbies. Ça, c'est un de mes petits préférés, là. C'est pas de def en bas, genre, et c'est serré sur les jambes. Et vous avez les boutons tout le long. Ouh, regardez, le pantalon, il monte jusqu'à là. Là, là. Ça, c'est en taille haute. Parce que des fois, il y a des faux tailles hautes. Genre, tu sais, les tailles hautes qui arrivent en dessous du nombril. Et ça m'énerve. Parce que, vous savez, pour les filles comme nous, avec un bide, les tailles hautes, c'est bien parce que ça te retient le bide. Et donc, quand ça arrive ici, ça te coupe le bide en deux. Et t'as une vague, là. T'as la vague comme ça. Et là, tout est inclus dans le package. Tout est inclus dans le... Je vous montre un petit peu. Le derrière, le devant, avec les boutons. Vous voyez là, vous avez les boutons. Et chose très importante à regarder sur les pantalons, je sais pas si vous êtes comme même, mais moi j'aime pas les pantalons qui font des fesses escalope. Genre, tu sais que t'as des bonnes fesses dans la vie, tu sais que t'es bien foutu quand même, et même si t'as pas de fesses, tu sais qu'il y a des pantalons qui te font des belles fesses. Et moi ce que j'ai horreur, c'est les pantalons, il faut des fesses serrées, genre des fesses contractées. Celui-là il est blanc. Je crois que c'est un de mes préférés, ça sent vraiment bien. Ensuite, on va essayer celui-là. Et là comme ça, ça ne m'inspire pas du tout confiance. Donc, je monte derrière, comment ça fait? Ah, il y a pas de poche. Il y a pas de poche. Mais après, Milly, ça aurait fait bizarre sur un pantalon comme ça, des poches. Alors là, ah ouais. Quand je fais un bon shopping comme ça, je me sens heureuse. Genre vraiment, je me sens... Oh, je suis fière de moi, genre une fierté. Un petit tailleur rose. Ouais, j'ai pris des couleurs, moi, je vous ai dit. Hein. Rose poudré un peu. Il monte bien, comme un bon tailleur. Après, le seul problème, c'est... Au niveau des jambes, sincèrement, je trouve que c'est trop évasé. Genre, si ça avait été juste un petit peu plus serré, tu vois, comme ça, en bas, plus serré, au niveau des jambes, ça aurait été mieux. Il y a les petits froufrous là. Et sincèrement, j'aime trop, genre, les derrière. Pas de fesses escalope. Et là, il y a une jupe. Alors, la jupe, elle est tellement belle. C'est une jupe crayon, mais en pullover, genre. Et ça, c'est un truc que je cherche depuis longtemps. Je crois qu'il y avait les mêmes chez Zara. Mais chez Zara, l'ensemble, il devait être à peut-être à 70 euros, même plus. Et là, j'ai vraiment pas payé cher. Je vous mets les prix sur le côté parce que là, je les ai plus en tête. Pour toutes les working girls, là. Voilà, bien, bien taillé. Vous voyez les épaules un petit peu dénudées. Col un petit peu en V. Et là, c'est ouvert devant. C'est beau, et c'est en ensemble. Genre, ça va parfaitement ensemble. Je suis fière de moi, j'ai acheté des beaux vêtements. Et il reste deux paires de chaussures. Je vais vous montrer tous les suite. Donc maintenant on va essayer les chaussures. Donc j'ai pris deux paires. Alors d'abord il y a celle-là. Que celle-là c'est je sais pas si vous avez vu les baskets Louis Vuitton là, les nouvelles. En fait elles sont à peu près comme ça. Et du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une taille 40 parce que je pensais que la taille 39 allait être un peu petite et j'ai eu raison. Ça c'est la chaussure. Vous voyez elle est comme ça. La matière fait un peu cheap. Je vais pas mentir, mais elles sont super stylées. Genre, si tu regardes pas trop près, les finitions et tout, ça va. Après, quand tu regardes un peu plus près, je sais pas si vous voyez un petit peu la colle là, tout ce qui est là, là ça fait un peu fake et un peu cheap. Mais sinon, le modèle de la chaussure, j'aime trop. Sincèrement, là, pour l'hiver, c'est cette paire là. Donc c'est un petit peu comme des Doc Martens. La matière est un peu, je sais pas si vous voyez, un petit peu suédine. Et vous avez un détail, en fait c'est la matière est un petit peu velours suédine, mais ça fait peau de python. Genre, je sais pas si vous voyez. La taille elle est parfaite, genre je peux même gigoter mes tapis à l'intérieur. Elle est bien genre, faut que je la teste sur plusieurs jours pour voir si elle me fait pas mal aux pieds. Donc je finis cette revue comme ça, assis par terre, parce que comme je vous ai dit, je suis en plein déménagement, donc tout est un peu sans dessus dessous. Mais sincèrement, je suis pas du tout déçue de tout ce que j'ai acheté sur le site. Sincèrement, je crois que pour une fois, il n'y a aucun vêtement qui m'a déçu.
À part le pantalon gris à carreaux qui était un petit peu petit et qui me serrait les fesses. Donc celui-là, je pense pas que je vais le garder. À part si je maigris, parce que mon but était de maigrir, bien sûr. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête. En fait, faut pas jeter les habits. Faut les garder. Comme ça, ça te fait un rappel psychologique qui te dit Yanissa, arrête de bouffer. Je suis même choquée. Sincèrement, il y a des trucs. J'aurais pas pensé que ça serait aussi bien, genre, de commander sur un site comme ça. Parce que j'ai déjà commandé sur un site, genre AliExpress, tout ça. J'ai reçu des trucs avec d'autres sites et tout. Mais la qualité n'était pas aussi bonne. C'est génial, en fait. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'essaye des autres sites. Là, j'ai plusieurs choses en cours. J'ai commandé plein de choses sur plusieurs sites que vous m'avez conseillés. Et donc, les vidéos arrivent très bientôt. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, mon bébé. J'espère que ce type de vidéo vous a plu et que le son n'était pas trop horrible et que l'image n'était pas trop horrible non plus. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous, mes bébés. Je vous aime.